Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un support mural, pour téléviseur, donc pour accrocher la télé au mur. Donc, on va parler déjà du petit modèle que vous pouvez voir ici, que j'ai commandé le 21 janvier. Je l'ai reçu hier, donc une dizaine de jours pour arriver en France. Ça arrive assez rapidement. Donc c'est pour une petite télé, hein. Là on est sur un petit modèle, prix d'achat 12,49 €. On le retrouve sur le site, il est toujours au même prix, à 1 centime près. Le nom du site, vous l'avez ici, Epopo Security Surveillance Store. Donc 12 euros, voilà, 12,50 € pour ce support mural. Alors il est arrivé, comme je disais, en une dizaine de jours. Je l'ai déjà installé, donc on va pouvoir aller voir sur place ce que ça donne. Avant d'aller voir, c'est une télé qu'on a mis dans la chambre. Hein. Avant d'aller voir la télé, donc bah, pour préciser que c'est arrivé comme d'habitude dans une pochette blanche avec du papier bulle. Et c'est arrivé dans cet emballage qu'on retrouve ici. Donc voilà, petit modèle, donc fourni avec la visserie. Bon, après, c'est des vis pour mettre je sais pas dans quoi, dans du béton apparemment, avec des chevilles. Donc tout ça, c'est livré avec. Après, on a aussi des petites vis. Ça, c'est ce qui va permettre d'attacher les supports sur la télé. Parce qu'il y a une partie qui est accrochée sur le mur et l'autre partie qui est accrochée sur la télé. Alors, on a différents modèles de vis. Il y en a des grandes et des petites. Donc moi, c'est une Samsung dans la chambre. Donc c'était les un peu plus grandes. On va voir ça. Et c'est fourni aussi avec un petit niveau, voilà, pour bien mettre le support au mur, le mettre droit. Bon, après, moi j'ai aussi mesuré parce que c'est toujours mieux d'avoir plus de références pour l'accrocher au mur, pour être bien droit. Donc le niveau ça aide, mais il faut aussi prendre les bonnes mesures. Après, moi j'ai mis des chevilles placo parce que ben, forcément c'est du placo le mur. Donc les chevilles placo ne sont pas fournies, c'est des chevilles que j'avais moi, donc j'ai pu installer ça comme ça. On va aller voir tout de suite ce que ça donne au niveau de la chambre. Je vais laisser la caméra à mon fils qui va me filmer pendant que je décroche le support du mur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc la télé, elle est accrochée au mur. Au-dessus, c'est l'Apple TV. Je vais en l'enlever. On va décrocher tout ça. Tiens, si tu veux me filmer. On va décrocher la télé du mur et comme ça on va voir un petit peu comment que c'est installé. Donc tout simplement, voilà, on décroche la télé. Et après, donc on a sur le mur la partie fixe. Je vais reprendre la tablette, merci. On a sur le mur la partie fixe, donc avec les chevilles placo, hein, comme je vous le disais, avec les vis placo. Moi j'ai mis des rondelles parce que mes vis étaient trop petites, ça passait dans les encoches. Là j'ai plus de rondelles, donc j'ai mis ce que j'avais. Bon, en tout cas, ça tient, c'est l'essentiel. Donc ça, c'est la partie fixe qui se met sur le mur. Et après, on a les supports qui sont sur la télé. Donc les supports, c'est ça. Ils sont vissés ici, donc deux vis par support, voilà, là et là. Après, l'avantage sur ce modèle, c'est qu'on peut incliner la télé. Donc il y a des petites molettes sur le côté pour pouvoir incliner la télé. Donc nous, on l'a inclinée un petit peu vers le bas, puisqu'elle est en face du lit. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Voilà, bah écoutez, comme vous avez pu le constater, l'installation est relativement facile. Il y a juste 4 vis des supports sur la télé et après 4 vis à mettre sur le support fixe qui tient la télé. Et après, bah, on accroche tout simplement les supports qui sont sur la télé sur celui qui est accroché au mur. Donc, installation hyper facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez trouver, hein, évidemment d'autres. Moi, je vous ai donné le nom du magasin sur lequel je l'avais acheté, mais il y a de nombreux magasins sur AliExpress qui vendent ce genre de produits. Voilà, je vais faire une seconde vidéo pour montrer un autre support télé que j'ai installé cette fois-ci au salon,
qui est un petit peu plus costaud et articulé. On va voir ça, si ça vous intéresse, il y aura une vidéo qui va être mise en ligne très très bientôt. Je vous souhaite de bons achats sur AliExpress et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.